Bienvenue sur ma chaîne, si tu me connais pas encore, abonne-toi. Tu vas sûrement te demander c'est quoi cette intro, c'est quoi ce concept. Avant de te laisser avec cette vidéo, donc le premier épisode comme tu l'as vu dans le titre, et une longue série d'autres vidéos, je vais t'expliquer un petit peu le concept pour que tu ne sois pas perdu. Si tu me suis sur Insta et que tu me connais et que j'ai plus de secrets pour toi, tout ce que je vais dire là, tu le sais déjà. Il y a 2 ans, je me suis donné le défi de perdre du poids, je pesais 105 kilos. J'ai créé un compte Instagram et j'ai commencé à partager mon parcours. Et j'ai atteint mon objectif, en un peu plus d'un an, j'ai perdu une trentaine de kilos. J'ai réussi à trouver mon équilibre alimentaire, j'ai réussi à vaincre les troubles du comportement alimentaire et aujourd'hui je me sens très bien dans mon corps, très bien dans ma peau, mais ça a été un long parcours avec et mon corps et ma tête. J'ai réussi à stabiliser mon poids pendant un bon moment et depuis septembre j'ai pris 6 kilos. Je me sens toujours bien dans mon corps et bien dans ma tête, j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé mon équilibre alimentaire, mais je me sentais quand même mieux avec ces 6 kilos en moins. Je me suis dit ok, t'as pris 6 kilos, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Mais si tu te sens mieux avec tes 6 kilos en moins, bouge-toi et retrouve le corps dans lequel tu te sentais super bien, en paix totalement avec toi-même. Ma méthode, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Tout ce que je fais maintenant pour perdre mes 6 kilos, c'est ce que j'ai fait pour perdre 30 kilos. Tous les jours, je prends ma caméra et je filme absolument tout. Je t'emmène avec moi partout. Sport, alimentation, organisation. J'ai réussi à perdre ce poids-là et à trouver mon équilibre alimentaire, à me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, en alliant mon état d'esprit à mon corps. J'ai arrêté de faire des régimes et j'ai cherché mon propre équilibre. Et je l'ai trouvé grâce à un outil magique qui m'a sauvé la vie. C'est le bullet journal par deux poids. J'ai mis des mots sur mes émotions. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais cette relation avec la nourriture. Et j'ai fini par arrêter de faire des crises d'hyperphagie en m'auto-évaluant tous les jours. En gros, tous les jours, je m'évalue avec un code couleur. Vert, c'est quand j'ai respecté mes objectifs alimentaires. Bleu, c'est quand j'ai pas forcément respecté tous mes objectifs alimentaires, mais que j'ai pris du plaisir, j'ai mangé raisonnablement et en pleine conscience. Et orange, c'est quand je fais une crise d'hyperphagie, que je mange sans contrôle, que je culpabilise et que je regrette. Et tous les jours, pour évaluer mon état d'esprit et poser des mots sur mes émotions, je note 3 mots qui symbolisent ma journée. Et ça, tous les jours de l'année. Chaque mois, je fais un bilan avec mon corps et mon état d'esprit. Je les allie les deux et chaque mois, je me fixe 3 objectifs alimentaires. Mon seul objectif, c'est d'être bien dans mon corps, bien dans ma tête. J'ai pas un poids idéal, j'ai plus un état d'esprit à atteindre. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, tu vas comprendre tout ça mis en œuvre dans les prochaines vidéos. J'ai trop hâte de partager ça avec toi. J'espère que ça va te plaire. Je te laisse avec la vidéo. Bisous. Le lundi, pour moi, c'est le jour de l'organisation. Donc j'en profite pour préparer ma semaine et pour essayer de tenir au mieux mes objectifs. Plus tu seras organisé et plus ce sera facile pour toi d'atteindre tes objectifs. Que tu veuilles perdre du poids ou tout simplement avoir une alimentation équilibrée, le secret, la clé numéro 1, c'est de s'organiser. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out. Donc première étape, faire une liste de menus pour la semaine. I'd fallen for you. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Une fois que j'ai fait toute ma liste de menus pour toute ma semaine, bien sûr c'est pas figé, je m'écris juste des idées de menus pour le matin, le déjeuner, le goûter et le dîner, histoire d'avoir plus d'inspiration au moment venu. Comme ça j'ai juste à rouvrir mon bullet journal et me dire ah ouais, ce jour là je m'étais dit que j'allais faire ça, et j'ai mes idées de menus qui sont déjà toutes faites. Quand j'ai fait ça, je vais aller faire un tour dans mes placards, regarder ce que j'ai pas, je vais le noter sur ma liste de courses et c'est fait. Tu viens faire les courses avec moi ?
utilise à la place de la crème fraîche pour faire des plats en sauce par exemple. J'ai rajouté celle-là aussi au citron. Ça en fait, je le mets quand je fais des pancakes, à la place de mettre du Nutella, je mets juste un carré de chocolat noir, je laisse fondre et ça me remplace le Nutella quoi, pour avoir un peu de sucre, parce que j'aime trop le chocolat. Je ressemble à un pouce, regarde. Ouais, exactement. Un pouce mouillé. Bien sûr, je ne fais rien pour mettre les courses dans la voiture. Arrête ! Arrête là, mais arrête ! Tu couvres ! Mon alimentation n'est pas parfaite. J'essaie vraiment de manger un 80% du temps des choses faites maison avec des produits pas transformés, donc non industriels. Mais j'essaye toujours d'améliorer mon alimentation, à m'intéresser vraiment à ce que je mange, à la composition des produits, à leur origine. Il y a plein de petits détails sur lesquels j'essaie de travailler, par exemple pâte feuilletée, pâte brisée. Avant j'achetais, maintenant je fais moi-même. Il y a plein de choses que j'essaie d'améliorer, mais je te partage tout ça pour te donner mes petites idées de ce qu'on peut trouver et de ce que j'achète, de ce que je consomme, de ce que je mange quoi. Salut, c'est Aya Nakamura sur Skyrock. Fais doucement, tu pourrais m'envoler. Tu pourrais m'envoler. Et tu vois ce que je dégage. Je suis trop charismatique, ouais. Tu kiffes mais tu m'iniques. Il m'a dit bébé, maman, pardon. Tu pètes les plombs. Pour la sécurité. Là j'ai l'impression que je ressemble à une fille qui s'appelle Véronique quand je mets mes lunettes comme ça. Je vais m'avancer pour la semaine et avec ma liste de menus que j'ai écrit dans mon bullet journal avec mes idées de menus, je vais faire cuire mes légumes et mes féculents à l'eau ou à la vapeur et je vais tout mettre dans des boîtes en verre dans mon frigo. C'est le conseil. Que j'ai acheté chez Decathlon, noir, tout simple, il coûte 4€, je te mettrai en lien. Cette veste là je l'ai acheté chez Auchan, je l'ai acheté à 90€. J'ai un legging Nike que j'avais acheté chez Go Sport avec une paire de chaussures Nike. Le legging je l'avais acheté 24€ et la paire de chaussures je l'avais acheté 30€ aussi en solde. C'est parti pour la séance de sport numéro 1. Comme quoi mon mari fêtait pas leur Saint-Valentin, mais j'avais quand même fait un outfit pour te donner des idées et il est rentré avec ça. Sauf que le problème c'est que moi juste avant j'ai regardé la story de Nabila et Thomas lui avait offert un bouquet de 300 roses. Voilà. Faut mettre de l'eau dedans ou pas? Non, laisse la pourrir. Je viens de recevoir un colis et je l'ai reçu super vite, c'est un colis Aromazone. J'ai commandé tous les produits qu'il fallait pour faire un masque capillaire. Du coup voilà mon cadeau, on va faire un unboxing en voiture. Attends, comment je vais faire pour poser la caméra? Attends, je mets ma ceinture pour plus de sécurité. Si ça tient. Bon alors le colis c'est celui-ci. Ah ouais, ça va être impossible en fait. Il est 19h, je me suis endormie à 17h et je me suis réveillée que maintenant je suis dégoûtée. Donc je suis vraiment dégoûtée là. J'aurais dû mettre un réveil. Je suis trop dégoûtée, j'étais trop fatiguée vu que je me réveille tôt. En général je fais une sieste l'après-midi comme une grand-mère. Mais j'aime trop me réveiller genre à 7h du mat, tout faire, tout travailler toute l'après-midi et après faire une sieste vers 16h. Sauf que là je me suis réveillée trop tard, je suis dégoûtée. My best friend's wish. Ok d'accord, allez on y va.
Je dois juste y aller pour acheter une pâte à tartiner. Le rayon des enfants, c'est un signe. Le rayon de la bouffe. Là elle est très bien, celle-là je la connais pas, mais elle la prend tout le temps. Et moi celle que je prends c'est ça, cette pâte à tartiner aux noix, elle est trop bonne. L'alimentation elle est toute genre des amandes, du quinoa, il y a vraiment plein de trucs intéressants. Il y a des oléagineux en fait. Il y a plein de fruits séchés comme ça, je vais les prendre et je vais les mettre dans mes petits déjeuners avec un fromage blanc. J'ai pris ça. Ceux-là ils sont à 65 centimes et ceux-là ils sont à 85 centimes. Non, c'est pas possible, il est retourné dans le rayon. J'avais dit on achète une pâte à tartiner. Tu veux manger quoi? Je sais pas. Il y a tellement rien à faire ici. On va aller à un endroit qui s'appelle le Miami, à la plage de Palavas, les flots. Ça paye pas de mine comme ça, ça a l'air nul, mais quand tu goûtes ce qu'ils font, c'est trop bon. Ils font des feuilles de brique, courgettes, saumon. J'ai jamais mangé ça, j'ai toujours essayé de le refaire, ça a jamais marché. Je suis arrivée devant la salle et c'est bon là, ma motivation elle est revenue. Comme quoi le plus dur c'est vraiment de se dire ok j'y vais. Je vais essayer de me donner à fond, de faire une bonne séance. Franchement j'étais fatiguée, j'étais pas motivée, j'avais vraiment pas envie hein. J'avais vraiment envie de te dire vas-y à demain. Mais non, je me suis mis un objectif en tête, je veux tenir mon objectif. Je reste motivée, je reste concentrée. J'espère vraiment que ça va te motiver parce que je te jure, j'étais vraiment bien dans mon lit. Mais non, fallait que je tienne mon objectif. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. You mean bread and butter? La fin de journée. Ah là là là, ce moment je l'attendais trop, j'ai trop attendu. Le moment que je préfère le plus, c'est quand j'ai terminé ma douche, que j'ai fait mon sport, que je sais que je vais bientôt aller manger mon dîner tranquillement devant Netflix. Là je vais regarder PS Je t'aime toujours, gros film de fragile d'adolescente. Aujourd'hui mes trois mots du jour c'était la couleur bleue, tout simplement parce que j'ai pas mangé à la maison, mais j'ai quand même eu une alimentation équilibrée, j'ai été raisonnable et j'ai pris du plaisir. C'est ça les critères de ma couleur bleue. Voilà en quoi va consister toutes les vidéos. C'est juste moi dans mon quotidien. J'essaie de te montrer un maximum d'astuces et surtout te motiver à fond si t'as le même objectif que moi. Si tu veux pas forcément perdre du poids mais que tu te sens mal dans ton corps, pas à l'aise, sache que la seule personne qui pourra te bouger, la seule personne qui pourra te faire changer et devenir meilleure, c'est toi-même. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que le concept te plaît. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne et on se rejoint au prochain épisode.